Oui, le projet du Kennedy est un projet que nous avons mûrement réfléchi depuis déjà quelques années. La problématique, vous l'avez compris, c'était de pouvoir réaliser la restructuration de ce collège situé en pleine ville sur un site relativement étroit, tout en faisant, en accueillant les élèves, en faisant classe. On a très vite compris que c'était difficile en site occupé de pouvoir envisager les travaux. Et donc, nous sommes arrivés à la solution de déménager, de transférer les élèves vers un autre site. Je constate que la rentrée scolaire s'est faite dans de bonnes conditions, parce que bon, c'est jamais facile de déménager 600 et quelques élèves sur un nouveau site ou sur un autre site provisoire, à côté d'un collège qui accueille déjà autant d'élèves, donc ça fait une population scolaire importante sur un même site. Les transports, c'est pas toujours évident de pouvoir les organiser, mais avec le concours de tout le monde et la bonne volonté des uns et des autres, à la fois de la ville de Mulhouse, de la communauté d'Aglo, et puis avec l'éducation nationale, nous avons réussi ce pari qui nous préoccupait, c'est vrai, je ne le cache pas, et qui aujourd'hui nous rassure parce qu'il a été accompli dans de bonnes conditions.